Bonjour, eh bien aujourd'hui c'est moi qui vais vous parler des vidéos de la semaine et je vais vous parler d'un tour que je fais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait vraiment partie de mes 10 tours que j'aurai tout le temps sur moi quand je fais soit un close-up à la maison, soit du close-up partout en famille ou dans mes prestations de magie. Alors ça s'appelle le Nest of Wallet. Et il existe soit en version plastique, qui est très beau, hein, avec un genre de pentagramme au milieu, soit la version cuir, ça ne change pas le tour. Les deux sont aussi bien. J'ai eu fait les deux parce que ça dépend de la mallette que je prends. J'ai un comme ça et ça dépend ce que l'autre mallette, j'ai celui-là. Donc je me formalise pas sur le produit. Les deux sont très bien. S'il y en a qui préfèrent le cuir, ben prenez en cuir, il durera plus longtemps, c'est sûr. Mais depuis que je fais le plastique, il ne s'est jamais abîmé non plus. Donc ça, c'est en fonction du budget, en fonction des... Il y en a qui préfèrent parce que le matériel il est mieux, ils ont l'impression de mieux travailler, donc ça, c'est personnel. Mais ce tour est vraiment top des tops parce que ça se passe dans la main du spectateur, ça se passe avec sa propre bague. Le tour, c'est, je vais faire un rapide survol de l'effet. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous empruntez une bague, vous la faites disparaître et elle se retrouve là-dedans. Bon, je vais vous faire une petite démo rapide pour vous montrer vraiment la rapidité du tour et l'impact. C'est pas une mise en scène, il n'y aura pas de mise en Et scène. la simplicité surtout. Et la Parce simplicité, que si c'est bon, c'est parce que c'est également aussi simple. alors. Allez, c'est parti pour une routine brève improvisée. Noy, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu aurais une bague? Voilà. Donc, j'avais demandé de préparer une bague, mais c'est pas ce qui va se passer. Ok. Tu vas tenir la bague comme ça. Juste, tu tiens. Voilà. Tu bouges pas. Et moi, je vais chercher ma baguette magique. Ok? Une baguette magique. Là, il y a un porte-monnaie. Tu vas la tenir, tu vas bien le tenir comme ça. Et normalement, la bague, elle va disparaître. Envolée. Tu sais ce que c'est disparaître? Attention. Non? Non. T'es sûr? Tu la tiens? Tu la sens? Ah ouais, attends. Non? Regarde ce qu'on va faire. 1, 2, 3, lâche. Ah. Ah! Bon, ben, il n'y a plus de bague. C'était la bague de mariage? Oui. Oui, ben regarde. Ici. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans? Regarde. Tu sais pas? Il y a. Encore une bourse. Montre tes mains vides, on sait Je jamais. montre mes mains Pour montrer vides. que c'est très simple. Donc c'est très très rapide au niveau. Là, j'ai un peu, j'ai perdu peut-être 3 secondes, mais j'aurais pu aller encore plus vite. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite bourse. C'est ça qui est joli dans ce tour. Il y a une bourse qui est bien fermée. Et à l'intérieur, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a? La bague. Ça va vite, hein? Et Tu l'as jamais vu merci. celui-là. Donc voilà, c'est pour vous montrer la rapidité et l'effet est vraiment top parce que c'est extra plat, vous pouvez l'avoir dans la poche. Ça se passe avec la bague de la spectatrice qui se retrouve à l'intérieur d'un autre compartiment et ainsi de suite. Il y en a un, deux, trois et ça à la fin. Donc si vous prenez ce modèle-là, ce tissu est plus fin, mais parce que le matériel est plus fin, mais ça change rien. Moi j'adore, 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 j'adore le faire parce qu'il n'y a pas de technique bien particulière. Si vous servez du foulard, il n'y a pas de technique à faire. Si vous ne servez pas du foulard, vous faites un faux dépôt et plein d'autres choses. Vous prenez un peu de poudre magique dans la poche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la valise comme ça. Vous pouvez mettre la main dans la poche, sortir cet objet et leur donner. Donc c'est vraiment très simple à faire. L'impact est très puissant. Je sais que Jérôme, lui, fait le flying ring avec où la bague, pareil, part d'un côté, se retrouve de l'autre. C'est dans le même esprit. Moi, je fais celui-là parce que lui, il fait l'autre. J'ai eu fait l'autre, son flying ring à lui.
Moi, je reste sur cette version-là parce que. Tu as l'habitude, tout simplement. Parce que j'ai pris l'habitude, mmh. À force que de voir Jérôme faire l'autre, donc j'ai pris l'habitude de faire celui-là, et du coup, ben, j'ai adoré. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça soit extra plat, parce que j'ai beaucoup de tours où il me faut de la place, donc il faut que ça tienne dans ma petite mallette qui est comme ça, donc c'est pour ça, n'importe où je vais, dans la voiture, j'ai une petite mallette, il est dedans, c'est vraiment top des tops. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le produit ? Ben non, c'est comme tu dis, c'est bien aussi. C'est juste par rapport à l'impact du spectateur, et en plus par rapport à des routines. On a plein de routines, je vous ai parlé du baby-bev, je vous ai parlé de plein d'autres choses, on a parlé du poisson, on a parlé de plein d'autres trucs, et c'est encore un tour complètement différent. Et moi j'aime bien que ça soit l'objet du spectateur qui se retrouve dans un endroit, alors qu'il était encore là à dernière seconde et il se retrouve à l'autre endroit. Ça j'aime bien, tous ces effets-là, et le public aussi. On peut jouer sur la mise en scène, c'est ça qui est bon art. Moi j'aime bien dire attention à la bague, eh ben, elle n'y est plus, c'est parce qu'elle était dans votre poche. Ils mettent la main dans la poche, et non, j'ai pas dit qu'elle était restée dans votre poche, j'ai dit qu'elle était passée par votre poche. C'est comme l'histoire du citron et du babybel. Donc on peut toujours jouer, faire ce qu'on veut. Et toutes les explications de la mise en scène et tout ça sera dit dans les vidéos en téléchargement. Donc voilà, si vous cherchez un bon tour, si vous avez vu ça et que vous hésitez, ben c'est pour ça qu'on est là pour vous dire que c'est pas mal. Donc n'hésitez pas, prenez-le, c'est du top. Il y a deux prix différents, un version plastique, et ouais, c'est quasiment plastique de chez plastique, mais c'est pas pour ça qu'il est pas bien, hein, il est très beau. Et l'autre version un peu plus épaisse, c'est la version cuir. Voilà. Mais dans les deux cas, l'effet est exactement le même. Donc maintenant, merci de nous suivre sur nos vidéos de la semaine. Il y en a beaucoup qui nous appellent pour nous dire merci, je vous ai fait confiance et ça m'a plu, je fais exactement comme vous, c'est vrai que l'impact est bon. Donc si ça vous plaît, eh bien, continuez à nous faire plaisir, à vous faire plaisir, et on se revoit à la semaine prochaine. À bientôt.